Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre aventure sur Assassin's Creed Odyssey bien entendu. Donc là je me suis juste rapproché un peu par rapport à la dernière quête. On va continuer à nouveau le scénario et si vous avez remarqué également la semaine dernière, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai commencé à tuer aussi quelques adeptes. Alors pourquoi j'ai commencé à tuer quelques adeptes? Tout simplement parce qu'il va nous falloir des pierres, des fragments de la pierre. Si vous vous rappelez bien, on avait récupéré un seul durant le scénario. Mais il en faut plus d'un. Donc pour améliorer la lance, il va me falloir améliorer également, enfin tuer les adeptes. Et aussi parce qu'une branche des adeptes est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez votre Odyssée, la branche qui concerne le culte de Cosmos, enfin, toutes les branches qui concernent le culte de Cosmos ont des niveaux de difficulté. Or, celui que j'ai commencé à faire, je dis bien commencé, hein, on va pas terminer, on le fera de temps à autre pour récupérer des fragments et également de l'expérience et des bouts d'armure pas dégueulasses. Et ben, une des branches de cet arbre du culte de Cosmos est faisable, donc j'ai décidé de commencer à m'attaquer pour faire de l'expérience et également voilà, récupérer des fragments, etc. Donc vous voyez que bon, le tuer a été simple, mais par contre, la défense qui est autour de lui est un peu plus costaud que ça. Alors les membres du culte du cosmos doivent généralement être confirmés, leur mort doit être confirmée, donc vous devez retourner sur le cadavre et maintenir Y. Je dis bien généralement, des fois non, ça dépend si vous faites un assassinat discret ou pas. Des fois ça bug pas, enfin voilà. Là pour le coup c'est un peu logique que la mort n'ait pas été confirmée étant donné qu'il y avait plein de monde autour, donc je dois retourner sur le cadavre pour enlever, enfin pour confirmer la mort tout simplement. Là vous voyez qu'il y a énormément de soldats, donc je vais attendre bien entendu que tout ça s'apaise. C'est pour ça que je reste dans l'ombre, que j'attends que le niveau de recherche descende, et surtout que j'attende que le cadavre soit faisable, enfin soit facile d'accès, que les soldats dégagent un peu de là et qu'ils cherchent plus une autre partie de la ville plutôt qu'à côté du cadavre. C'est pour ça que je reste pas trop loin. Bon bah là j'ai été repéré. Mais l'avantage c'est qu'ils vont retourner vers ma dernière position connue. Vous voyez qu'ils suivent tous comme des moutons derrière ma position là-bas. Donc comme ça, ça me laisse le temps de faire le tour et d'aller confirmer la mort. Même si quelques soldats me voient, le temps qu'ils arrivent sur moi, j'aurai confirmé déjà la mort. Donc c'est pour ça que j'ai fait ceci. Là en l'occurrence, aucun soldat n'est venu, donc je confirme la mort. On a à nouveau un objet d'Eden, un indice sur un adepte et également un bout d'armure qui est qui n'est pas assez élevé pour moi. Donc vous voyez que celui-ci est tué. Et là on a découvert un nouvel indice. Malheureusement il en manque encore pour pouvoir découvrir les autres personnages. Là je regarde juste les niveaux de difficulté des autres adeptes. Donc on voit que celui-là est faisable. Alors c'est pas parce que sa ligne n'est pas faisable que lui ne peut pas le faire. Généralement en fait ça va en difficulté quoi. Il y a des membres qui sont faciles et d'autres un peu plus compliqués. Donc je l'ai sélectionné pour pouvoir le faire plus tard. Mais ça sera pas tout de suite. Je l'ai juste mis, voilà, je sais où c'est qu'il est, et dès qu'on se rapprochera de lui, on ira le tuer. J'ai sélectionné une quête de mon Odyssée qui est faisable, donc ça va être autour de Hérodote, si je ne dis pas de bêtises, vous allez voir ça. Ça va être beaucoup de cinématiques encore aujourd'hui, et vous avez pu voir que depuis le début de la vidéo, je parle cette fois-ci, je la commente la vidéo. Peut-être pas entièrement, on verra, mais en tout cas pour le moment, je peux la commenter, et je vais essayer de la commenter entièrement. Voilà, pour une fois, je vais essayer de le faire. Je sais que les dernières vidéos récemment, il y a eu très peu, voire pas du tout de commentaires, à part pour les vidéos du dimanche, parce que c'est des vidéos plus courtes, moins travaillées en termes de capture vidéo et d'enregistrement audio. Après, voilà, j'essaie quand même de travailler mon contenu, mais c'est moins compliqué à faire des vidéos de 10 minutes que des vidéos d'une demi-heure. Ce que vous pouvez tout à fait comprendre, je pense. Écoute, espèce de misérable, dis-moi où il est, ou parira. Je fais brûler cet endroit et toi en plein milieu. Mais je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne demande pas grand-chose. Hippocrate, au nom de l'ordre public, doit faire preuve d'humilité, se prosterner devant les dieux et reconnaître qu'il leur doit ses dons. Mais ça n'aidera pas ses patients. Ça ne fera que l'éloigner de ses tâches. Si Hippocrate croit pouvoir saper la société pour s'élever au rang de demi-dieu des soins, je peux te prédire que les dieux chercheront à se venger. Je suis bien certain qu'il n'y a pas de quoi élever la voix. Qui es-tu, toi?
Je cherche un homme du nom d'Hippocrate. Ah, ce fou a encore rallié quelqu'un à sa cause. Dis à ton mécréant de maître que s'il ne se repent pas bientôt en public, la prêtresse Terra lèvera une armée de fidèles pour en finir avec lui. Hors de mon chemin! Oh, les dieux soient loués, elle est partie. J'ai bien cru qu'elle allait me tuer cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Mon nom est Sostratos. Chrysis a accusé mon maître Hippocrate de sacrilège. Et c'est le cas? Il estime qu'au-delà des prières, les gens ont le pouvoir de se porter mieux en veillant eux-mêmes sur leur santé. C'est fascinant, ça. Est-ce que je peux le voir? Désolé, il n'est pas là. Je vais le trouver. Si tu dois aller voir Hippocrate, je peux te demander un petit service? Ça dépend du service. Il faudrait que tu lui apportes du matériel. Il est parti si vite qu'il l'a oublié ici. Je me charge de l'apporter à Hippocrate. Vraiment? D'accord, mais je ne fais rien gratuitement. Alors, prends ça. Peut-être qu'Hippocrate t'enseignera ce qu'est l'altruisme quand tu le verras. Bon, comment pourrais-je le reconnaître? Va au sud-est du Guédéra, près de la grotte de Pan. Il y aura une longue file de malades devant lui. Tu le reconnaîtras, il a les cheveux dégarnis. Mais évite de lui en parler. Donc je me suis totalement planté, c'est pas Hérodote, mais Hippocrate qu'on va devoir trouver. Et vous voyez que j'étais un petit peu salaud, je lui ai demandé une somme d'argent pour trouver Hippocrate. D'habitude, je l'aurais pas fait, parce que je suis quelqu'un de gentil, d'honnête. Mais là, on a besoin de fric. Donc, j'ai pas craché sur le fait de demander de l'argent. C'était disponible dans les dialogues à choisir. Je l'ai choisi, donc bien sûr, bon bah je suis un peu mal vu, genre, ah, ouais, t'es un mystiose, donc tu penses qu'à l'argent, etc. Tu fais pas ça par modestie ou quoi que ce soit. Et je suis désolé, on a besoin d'argent, on en a plus beaucoup, pas tellement, donc voilà, j'ai pas craché sur le petit bonus de sous en plus. Surtout que ça fait pas vraiment un malus, bon après voilà, il est un peu grogné. Mais je veux dire, en termes de scénario et en termes du jeu, je vais pas être mal vu pour autant. C'est pas un truc négatif, s'il y aurait eu un truc rouge à côté où j'aurais dû le menacer ou quoi que ce soit pour avoir l'argent, voilà. Là j'ai juste dit, ok je veux bien y aller, mais bon du coup tu me donnes une petite somme en plus. Voilà, ça a été gentil, on va dire. Donc pour revenir, oui, en ce moment, voilà, enfin pour cette vidéo là aujourd'hui, je vais essayer de la commenter en entier, enfin ça va être commenté en entier, c'est même pas essayé. Et puis là il y a un peu moins de dialogue contrairement aux épisodes de la semaine d'avant, enfin même les épisodes d'avant. Et voilà, c'est pour ça que je préfère la commenter. J'espère également que la vidéo de dimanche dernier sur Tortue Ninja vous a plu. Alors c'est un jeu qui, enfin, en tout cas pour moi, je le connaissais pas avant ça. Et j'étais assez curieux quand je l'ai trouvé en foire à tout, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vous ai fait une vidéo dessus, j'ai plutôt bien aimé le jeu. Bon, après, il est pas non plus fou et il est assez dur sur certaines choses, pardon. Et on a plus tendance à utiliser certaines tortues plutôt que d'autres. Mais je trouve le jeu assez curieux, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de dimanche dernier, bah, n'hésitez pas à aller voir. C'est sur un jeu PS4, enfin un jeu Tortue Ninja sur PS4, pardon. Donc n'hésitez pas à aller voir. Même moi, je ne connaissais pas le jeu avant d'y jouer. Et bon, c'était une bonne surprise. C'était pas non plus l'extase, mais c'était une bonne surprise. Et puis, à part le jeu sur NES, bah, j'ai aucun jeu Tortue Ninja, donc c'était plutôt cool de jouer à un jeu Tortue Ninja. Et puis il y a Shredder, et puis voilà, il y a d'autres boss assez cultes, même si la façon dont est tourné le jeu, c'est un peu spécial en termes de niveau, etc. Mais bon, ça reste un jeu Tortue Ninja potable et assez sympathique dans l'univers. Voilà, bref. Donc là, on va arriver à Hippocrate, et vous allez voir qu'il y a énormément de monde. Hein, on voit la queue qui est juste devant, et on va quand même aller lui parler, malgré toute la file d'attente qu'il y a. On va prendre les devants, hein, on va choisir d'aller lui parler. Bien. Quelle est la cause de l'état de cet homme? Un excès de flegme, docteur. Au sens plus immédiat, oui. Mais en réalité, c'est de négligence qu'il souffre. Négligence? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être Hippocrate. Oui, et je suis très occupé. Ça ne prendra qu'un instant. Je ne veux pas t'éloigner de tes patients, ni de
des élèves? L'observation, l'étude et l'expérimentation sont indispensables au traitement. Voilà ce qu'apprennent mes disciples. J'arrive de ton établissement à Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève hors pair. Tu lui as demandé de te payer pour ce service? Naturellement, je suis un Mystios. Ah, tu es vénal mais franc. Comment dois-je t'appeler, Mystios? Alexios de Sparte. Et qu'est-ce qui t'amène ici, Alexios de Sparte? Je cherche une femme, une Spartiate. Pourquoi penses-tu que je la connais? On m'a dit que tu l'avais peut-être aidée, il y a longtemps. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir. Je t'en prie, Hippocrate. J'ai fait un long chemin pour te voir. Comme ce patient, celui qui était avant lui et celui d'avant encore. Mes patients ont besoin de moi, mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit. Retrouve-les et je t'aiderai en retour. Fais vite, ce patient n'en a plus pour longtemps. Je vais faire au mieux avec tes informations. Bonne chance, nous comptons sur toi. Donc voilà, donc bien entendu, on passe pas devant tout le monde non plus. Faut pas abuser, Alexios, mais on va devoir faire des quêtes. Alors là, ça va être un peu chiant. Vous allez le voir, on va faire plusieurs quêtes pour des prêtres. Si j'ai pas de bêtises, c'est des prêtres. Mais avant ça, on passe niveau 17. Donc on va regarder si éventuellement on a des armes ou des armures qui peuvent être plus utiles que ce qu'on a déjà. Parce que bon, on a un niveau assez bas, mais on a des armures et des armes de côté. On va regarder ça. D'abord, je décide d'augmenter au niveau 3 cette technique-là. Et on va la regarder tout de suite dans l'inventaire, qu'est-ce qu'on a. Parce que voilà, on a quelques niveaux, on a quelques objets qu'on a eu précédemment, vu que les quêtes qu'on fait généralement sont un peu plus hautes que nous. Donc on va pouvoir s'équiper déjà d'un plastron un peu plus fort, également des chaussures un peu plus fortes. Alors également, je crois que, non, il n'y a pas d'arc, et je crois une arme un peu plus forte également. Si ma mémoire est bonne, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir changer quelques trucs. Alors bien sûr, on n'est pas au top, hein, on pourrait avoir voilà, les dagues. Alors pourquoi je prends des dagues, c'est plus que je préfère manier les dagues plutôt que des armes blondes, tout simplement. Donc on va chercher la vision d'Hippocrate, qui en a 3. Enfin là, actuellement, on s'est écrit 2. Mais il y aura une conclusion à ces deux missions-là. Sont côte à côte, donc c'est pas vraiment chiant. Vous voyez que voilà, tous les trucs sont à côté. Ça va être chiant dans le sens où j'aime pas trop cette quête là parce que c'est plein de petits trucs pas vraiment utiles. Vous allez voir, c'est sympa à faire mais c'est un peu chiant, c'est assez chiant 2 secondes. Enfin bref, j'espère quand même que ça vous plaira, mais au moins on avance dans le scénario, ce que je voulais qu'on fasse surtout, puisque voilà, on stagnait à un moment, mais c'est normal, fallait prendre quelques niveaux. Peut-être qu'on va revenir d'ici quelques épisodes à refaire quelques trucs annexes, parce que vous allez voir, à la fin de la vidéo, on va devoir tuer quelqu'un, je ne vais pas dire qui ou quoi que ce soit pour ne pas dire à la fin de la vidéo, mais j'ai galéré, enfin c'est pas que j'ai galéré, je suis mort d'ailleurs, et la vidéo se termine là-dessus. Donc je pense que la semaine prochaine, pour l'épisode de la semaine prochaine, on réessayera de nouveau de le tuer. Et si ça passe pas, je pense qu'on stoppera là et qu'on fera quelques quêtes annexes, voire des quêtes principales, puisqu'on en a d'autres également en quête principale. Voir si on peut gagner quelques niveaux et quelques points d'expérience, parce que on a quand même un beau petit décalage entre le niveau conseillé et notre niveau à nous. Donc voilà, ce que je crois que là, en termes de niveau, on est dans les niveaux 20, si je dis pas de bêtises. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Et je vais essayer voilà, de gagner les niveaux qu'il faut si vraiment la semaine prochaine ça passe pas. On essayera la semaine prochaine de toute façon, mais il y a de fortes chances que la semaine prochaine on essaye, on meurt et on aille faire des quêtes annexes. C'est fort possible que ça se passe comme ça. Je cherche des informations. Dans ce cas, va te faire voir chez Hadès. Il faut que j'en sache plus sur une Spartiate qui est venue ici. Mais les oreilles bouchées par les fientes de ton aigle. On m'a donné l'ordre de ne pas parler aux mercenaires. Et surtout pas de Spartiates, ni de bébés blessés. Je n'ai jamais parlé de bébés. Tu te crois malin? Beaucoup de femmes viennent ici avec des bébés. Va-t'en, j'ai déjà assez de soucis comme ça. Je peux peut-être t'aider? Des serpents! Des serpents? Il y en a partout. Ils ont dû s'échapper de la Tholos. On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les thermes. Et donc, ils ont tué quelqu'un.
Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Et si je réglais cette affaire de serpent, tu accepterais de me parler? Oh, avec grand plaisir. Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison. Je vais m'occuper de cette affaire de serpent. Ensuite, tu me diras ce que je veux savoir. Donc, d'abord, on va entamer cette première quête qui va pas être trop compliquée, mais vous allez voir que je vais galérer à trouver l'endroit. Donc, on doit juste assassiner des pauvres petits serpents. Et en fait, je trouve que c'est mal fait dans le sens où que, en fait, voilà, on a tendance à aller ici, parce que vous voyez que l'objectif de quête est là, donc on a tendance à tourner autour de ça. Et je sais que durant ma partie à moi, quand j'ai fait le jeu, voilà, de mon côté, etc., j'ai eu exactement la même réaction. Et en fait, j'ai eu des sueurs froides quand je me suis mis à faire ça. J'ai dit, mais bordel, je me rappelle que j'avais autant galéré aussi dans ma partie solo pour trouver l'endroit. Et vous allez voir que c'est tout bête, mais... Enfin voilà, c'est un peu mal fait. Donc là, je fais vraiment tout. Je me dis peut-être qu'il y a une trappe en haut, peut-être une lucarne, une petite fenêtre d'ouvert. C'est pour ça que je m'approche de ça. Je me dis, mince, c'est juste en dessous, donc... Peut-être qu'il y a un truc d'ouvert. Et j'ai beau faire le tour, là je me dis, ben non, les fenêtres sont trop petites, c'est pas possible que ce soit par là. Je dis, bon, peut-être qu'on peut ouvrir la porte au fond, donc on va réessayer. Je vois qu'il n'y a toujours pas d'action, donc je dis, non, c'est pas possible. Éventuellement, peut-être une lucarne en haut, mais là non plus, la porte n'est pas ouvrable. Donc, voilà, j'étais vraiment dans un col. Je trouve que c'est un peu mal fait. Et en fait, après, je me dis, bon, on va retourner où c'est qu'on a quitté le prêtre. Et regardez à partir de là, puisque le prêtre était là, donc la mission doit être au près. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Bah, ce petit truc, avec une porte, et là, ça va tout droit. Et on peut y aller, tout simplement. Donc c'est un peu bête, je trouve qu'ils auraient dû ouvrir également l'autre porte, puisque c'est le même bâtiment. Donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Je me rappelle que j'avais autant galéré, je pense que j'ai été le seul. Parce que de la façon que la caméra se positionne quand on quitte le dialogue... Bah on a tendance à aller vers le devant de la caméra et pas retourner la caméra pour voir l'entrée. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est comme ça. Et vous voyez que la porte, elle est juste à gauche. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, bref, on va pouvoir parler et continuer cette mission-là. Alors, les serpents ont quitté les thermes? J'ai mis en pièces ces malakès gluants jusqu'au dernier. Mes petits... Qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits? Des serpents avaient infesté mes termes. Un malade est mort à cause de... Toi! C'est toi qui as fait ça. J'ai seulement fait ce que m'a demandé Pilénor. Quoi? Comment oses-tu? Je ne t'ai jamais dit de les tuer. Comment as-tu pu, Pilénor? Vous allez le payer. Au nom d'Hadès, je vous maudis. Alors? Alors quoi? Je me suis occupé de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Donc comme vous avez pu voir, il s'est bien foutu de notre tronche. Donc on va sélectionner un autre qui est autour, parce qu'il y a deux trucs qui sont autour. Je peux également choisir une autre quête, puisque ça a terminé celle-ci, mais les prêtres sont juste à côté de moi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on va pouvoir continuer directement d'ici. Alors d'abord je vais prendre celui-là qui est le plus près, ce qui est un peu logique, hein, je ne vais pas m'embêter à aller tout là-bas alors que ça va être ça. Et là ça va être une partie que je trouve chiante. Qui n'est pas vraiment utile. Alors, elle est utile dans le sens où c'est bien, on en apprend plus sur comment ça se passait dans la Grèce antique par rapport au récit, enfin, aux historiques de ce que faisaient les médecins et même d'autres corps de métier, j'imagine. Mais je trouve que c'est long et c'est chiant. Surtout que c'est des histoires... peut-être qu'il y a des clins d'œil à des vraies histoires de la Grèce antique, peut-être, je suis pas incollable avec la Grèce antique, je suis plus du côté des dieux, mais il y a des trucs que je trouve un peu dommage, enfin ce côté-là, on s'en fiche un peu, par rapport en tout cas
au dialogue que vous allez voir, enfin voilà, les écrits qui ont été faits. Je trouve ça un peu chiant tout ça pour trouver Mirin. Mais enfin bref, d'abord je fais le point d'observation, puisque là on l'avait pas fait ici, et je vous rappelle que les points d'observation, c'est la vie. Donc faut les faire, parce que sinon c'est chiant après pour pouvoir se déplacer plus rapidement, surtout que j'ai l'impression qu'on va devoir retourner ici, donc voilà, autant les faire. Là bien sûr, bon, ça nous permet de trouver le prochain objectif, mais on n'y va pas tout de suite, donc ça va nous servir à pas grand chose pour le moment. On va d'abord se rejoindre sur cette quête là. Bonjour jeune homme, tu viens offrir un sacrifice à Asclépios ? Non, mais je cherche une mère spartiate qui l'a peut-être fait. L'auguste Héra guide de nombreuses mères vers ce lieu sacré, mais ma mémoire est trop fragile pour me les rappeler toutes. Dis-moi, à quoi servent ces dalles de pierre ? Ce sont des registres. Nous prenons note de tous ceux qui viennent ici. Maladies, traitements, afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclépios. Alors peu importe tes souvenirs, il suffit de trouver la bonne pierre. Oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement j'avais le temps de t'aider. Écoute, je ne te veux aucun mal. Je cherche simplement ma mère. C'est à cause de Crisis. Son emprise s'étend à tous les prêtres du sanctuaire. Et malheur à celui qui fournira tes informations aux porteurs d'aigles. Alors, ne me dis rien. Contente-toi de m'apporter la pierre qui me renseignera. Viens avec moi. Mais vite, mieux vaut rester discret. Je te suis. Donc on va suivre le petit vieux jusqu'à la pierre qui nous concerne. Et c'est là que je trouve un peu chiant parce que déjà, enfin... J'aime pas trop ces séances-là, encore dans les précédents Assassin's Creed, notamment Assassin's Creed 2, Brotherhood et tout. Il y avait des dialogues intéressants quand on parlait avec Machiavelli, quand on parlait avec Leonardo da Vinci, quand on parlait avec Mario Auditore, enfin voilà, quand on parlait à ces personnages-là, c'est intéressant. Sauf que là, c'est un personnage lambda, avec une histoire lambda, et juste pour nous amener à des pierres qui en plus nous indiquent pas notre mère. Donc c'est ça que je trouve dommage. C'est que cette quête-là, je la trouve totalement inutile. Je sais hein, qu'il y a des quêtes inutiles dans tous les jeux, mais là, je trouve que ça, on aurait pu passer après ça, quoi. C'est un peu dommage. Ou alors nous amener directement à la pierre qui nous concerne, nous mettre une cinématique, ça parle des pierres qui sont autour, et Alexios dit « Ah tiens, regarde celle-là peut-être ». Que là, nous faire un va-et-vient dans tout ce coin-là, juste pour au final qu'on n'ait pas la bonne pierre, c'est un peu chiant. Vous voyez là, par exemple, voilà, c'est pas la bonne pierre, donc on continue. Et on va en faire plusieurs comme ça. Alors c'est intéressant dans le sens, comme je vous ai dit, c'est bien de voir comment ils tenaient les registres à l'époque, et se dire que nous maintenant ça tient sur des feuilles, voire dans des clés USB ou des micro SD maintenant, que ça reste sur Internet, enfin sur Internet, sur des fichiers numériques. Et à l'époque ils étaient obligés de faire ça, gravé dans la stèle et tout, je vous dis pas la place qu'il faut faire, si vous aviez une ordonnance, je vous dis pas le truc. Donc voilà. C'est bien de voir ça, de se dire qu'on est passé quand même d'une carte micro SD à ça. Mais je trouve la quête un peu chiante qu'on fasse des va-et-vient un peu partout dans ce coin-là. C'est un peu dommage. J'ai plus l'impression que c'est une caisse, bien sûr. Une quête fourre-tout, on s'est dit, voilà, faut mettre une quête comme ça pour histoire de gagner du temps de jeu. Alors que le jeu, on n'a pas vraiment besoin, vu que le monde est assez vaste, assez ouvert, et qu'il est très beau, et qu'il y a plein de trucs à regarder, à fouiller et à découvrir. Et c'est un peu dommage, bon, il n'y a pas une tonne de quêtes annexes comme ça, heureusement, enfin de quêtes principales comme ça, mais voilà. Surtout que oui, c'est une quête principale, c'est pas une quête annexe. Ça serait une quête annexe encore, on se dit, bon, bah, c'est une quête annexe, et les quêtes annexes, 80, enfin même 50% du temps, c'est chiant. Mais là, ça fait partie d'une quête principale, donc c'est un peu dommage, quoi. Mais enfin bon, on va enfin arriver à la dernière stèle qui nous concerne, et on va pouvoir lancer la cinématique. Des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte, venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé ? Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette Spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée, et elle est repartie.
J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut bien savoir où elle est partie? On nous a vus. Retrouve-moi plus tard près de l'olivier d'Héraclès à l'entrée du sanctuaire. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? Un prêtre et un mercenaire qui se promènent ensemble? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand ce Mystios est tombé sur moi. Vraiment? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur? Je suis tout crasseux. J'ai besoin d'un bon bain. Ce prêtre m'a gentiment dit où trouver les thermes. Oui, c'est ça. Les thermes sont dans cette direction. Pour maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Les thermes ont pour but de soigner les malades, pas de laver le sang qu'on a sur les mains. Alors, pars. Donc voilà, on a pu trouver la dernière stèle, heureusement, et on nous a donné rendez-vous à un endroit qu'on va directement aller, en appelant le cheval. Malheureusement, vous allez voir que ben, on va mourir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais bon, au moins on aura avancé dans la quête principale. Comme je vous disais, la semaine prochaine, on réessayera de tuer la personne qui va nous attaquer. Je ne vais pas vous dire qui c'est pour le moment, parce que je vous laissais regarder la cinématique qui va arriver. Mais vu qu'on va se quitter assez vite après la cinématique, je préfère quand même prendre de l'avance. Donc la semaine prochaine, on continuera le scénario si on arrive à le tuer. Si on n'arrive pas à le tuer, éventuellement, on fera des quêtes annexes ou d'autres quêtes principales pour gagner de l'expérience, pour pouvoir aller un peu plus vite en termes de niveau et de pas trop galérer. Là, j'ai décidé de l'assassiner parce que le mercenaire est assez bas niveau et en plus, il se fait assez vite, donc j'ai décidé de le tuer. Et je vous conseille de les faire de temps en temps, les mercenaires, parce que ça peut vous rapporter des trucs assez sympathiques. Donc voilà, mais essayez de les faire en mode salaud comme moi, quoi. C'est-à-dire par derrière, et les éliminer discrètement pour faire le max de dégâts possible. Donc on va parler au petit vieux, et on se retrouve juste après pour une mort terrible. Je te remercie pour ta discrétion, porteur d'aigle. Crisis possède des yeux et des oreilles dans tout le sanctuaire. Que peux-tu me dire d'autre sur la Spartiate et son enfant? Cette femme a laissé ici la couverture de son enfant. Nous voulions la lui rendre, mais c'était un souvenir trop pénible pour elle. Où est-elle allée? Et qu'est devenu l'enfant? Ah, Crisis avait raison. Tu connais les règles, Timoxenos. Tu vas subir sa colère. Pleistos, je t'en supplie. Viens derrière moi, prêtre. Je vais m'occuper d'eux. Donc voilà les amis, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains épisodes du Let's Play. Pour ce qui est de dimanche, ça sera une vidéo sur Forza Horizon 4. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la démo de Forza Horizon 4, mais là c'est le jeu complet, je vais pouvoir vous donner mon avis plus en détail et vous dire vraiment ce que je pense du jeu. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc dimanche, vidéo sur Forza Horizon 4, et mercredi prochain, bien entendu, nouvel épisode de notre aventure sur Assassin's Creed Odyssey. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare, et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.